Mes vidéos sont très rapides, moi je veux juste vous montrer le comment, le pourquoi et le résultat, chérie. D'accord? C'est ça le but de mes vidéos. Coucou la prêche aussi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage enfin ma routine capillaire spéciale automne parce que oui chérie, chaque saison a sa routine. Oui. Il y a des trucs, ça va faire grincer des dents certains, mais sachez-le que ce sont des produits qui sont très utiles. Sans plus attendre la team pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, de toute façon je vous montre simplement comment j'applique les produits. On est parti. J'ai utilisé pour me laver les cheveux le shampoing et l'après-shampoing de Hair Food à la macadamia. Voilà. J'ai laissé poser un masque pendant 10 minutes sous la douche, c'est le Cantu Deep Treatment Mask. Voilà, je veux... Non mais chérie, clair avec, parce que j'ai pas les produits là, parce qu'ils sont tout mouillés dans ma douche, donc... Donc voilà, oui, 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 je sais, my hair is growing so much, I don't know how. Mes cheveux, ils poussent à une allure, je sais pas, on peut pas trop les arrêter sur ça. Il y a des personnes qui me suivent depuis un moment, toutes celles qui ne me connaissent pas, vous avez pas dû tomber sur ma vidéo où je parlais d'un produit de chez Ultra Doux que j'ai découvert et je me suis dit j'allais le tester. Et c'était le masque lait au cacao que j'avais trop kiffé en période hivernale. Ma mère là elle l'utilise et en plus je vois elle a pris le mien donc il n'en reste pas énormément. J'espère que ça me suffira pour cette vidéo. Tout d'abord la Virgin Mojito Scalp Oil de chez Tropical Bee, je l'aime beaucoup. Vous regardez ce qui reste. Encore une fois je sais pas trop si on va réussir à faire une vidéo complète avec la quantité de produits qui me reste. Ensuite j'enchaîne avec le masque lait ultra doux, mais celui-ci c'est le lait d'amande nourricier. Je l'ai testé une seule fois seulement depuis que je l'ai acheté et je kiffe, ça me donne le même effet que celui à la cacao. Et ensuite on va utiliser quelque chose qui fait grincer des dents. Voilà, je parle d'huile minérale, je parle de paraffine chérie, oui 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 oui. Donc là c'est un soin capillaire de chez Palmer's à l'huile de noix de coco et à la vitamine E. Donc voilà, c'est clairement de la brillantine pour ceux qui connaissent. On est deux qui sont entamés. Donc ça prouve à quel point j'utilise les produits là et je les ressors seulement vers la période automnale hivernale. C'est quelque chose qui va créer une sorte de barrière, tu vois, entre l'extérieur et l'intérieur de tes cheveux. Donc c'est pour ça qu'il faut partir d'abord sur une base super bien hydratée, bien nourrie, ce que tu veux, et ensuite par-dessus tu mets ça pour éviter que ce qui se passe, tu vois, pour que ça reste à l'intérieur et avoir des cheveux vraiment nourris et hydratés toute la semaine, chérie. Voilà la clé, voilà la façon dont moi j'utilise les produits. Okay. Vous voyez le délire ou pas? Est-ce que vous voyez le tellement hydraté? D'accord? Je sais que tu sais. Beaucoup de gens, quand ils voient mes vidéos, ils sont en mode mais pourquoi tu utilises une brosse comme ça? Et parce que bah, je sais pas, elle fonctionne bien sur mes cheveux, chérie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pars sur des twists. Je pars pas sur une coiffure protectrice. Tu vois, donc je fais pas des twists comme ça pour les garder pendant une semaine. Mais en fait là je les twist et une fois qu'ils sont secs, c'est un twist out. Je vais les retirer et ça va faire une coiffure un peu ondulée façon. J'ai fini de twister toute ma tête, la team, j'ai fait ça en 10 minutes, donc on se retrouve dans peut-être, allez, dans 3h, 4h, le temps que mes cheveux sèchent. Surtout, la team, n'utilisez pas de sèche-cheveux, je sais, il y en a, vous êtes pressés, mais tu vois, après ça va contrer les effets nourrissants, tu vois, après on a des frisottis, tout ça, nous on veut un truc bien propre, bien clean, donc je conseille fortement le séchage à l'air libre. Mes vidéos sont très rapides, moi je veux juste vous montrer le comment, le pourquoi et le résultat, chérie. D'accord? C'est ça le but de mes vidéos. La team, il est 17h, donc ça fait depuis midi 30 que j'attends que mes cheveux sèchent. Avec l'hiver et tout, c'est vrai que ça prend plus de temps, mais je suis contente parce que je sais pas si vous avez vu comme mes cheveux sont remontés. Ouais, ça veut dire que l'hydratation, elle est là. Je me suis dit que j'allais quand même séparer pour que vous puissiez voir. Donc je vous montre tout simplement la façon dont je sépare. C'est vraiment super doux. Hein.
c'est dingue, c'est trop dingue ce qui se passe là. Waouh, quelle vibe, quelle vibe. Je suis vraiment contente parce que je vois que mes cheveux sont en bonne santé à partir du moment où, pour les personnes qui ont des cheveux bouclés, frisés, crépus, à partir du moment où vous voyez vos cheveux remonter lorsque vous les hydratez, tac, c'est vraiment, je suis vraiment contente, vraiment hein. Pour le coup, cette vidéo, voilà, c'est du bon contenu, c'est du bon contenu quand même que je propose à ma team, donc I'm feeling like a gift thing, ok. Voilà team, allez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir via les likes, via les commentaires, voilà, ça me fait super plaisir et je vous dis à la prochaine. See you.